Hello, ça fait un bon moment que j'avais envie de nettoyer en profondeur, du moins laver nos tapis et les canapés à la maison. Mais l'idée de louer ou de prendre des services me revenait toujours plus cher. J'ai donc économisé et décidé de m'offrir une shampouineuse qui lave, rince et sèche. Mais on va aussi nettoyer le salon, les vitrines, le sol, dépoussiérer. Une tâche que j'ai fait en 2 jours, je dois avouer, car pas évident avec les enfants. Si vous êtes en manque de motivation, alors vous êtes au bon endroit. Restez scotché jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouvelle, je serais ravie de vous compter dorénavant parmi la famille grandissante. Abonnez-vous, ce serait gentil, mais surtout c'est gratuit. Et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Moi, c'est Nelly, maman au foyer de 2 et je vis en Angleterre. Sans plus tarder, on entend la vidéo. À tout de suite! J'ai commandé mon Vax Rapid Plus sur un site ici qu'on appelle Arcos. Ce qui m'a plu avec cette shampouineuse, ce sont les accessoires à l'intérieur. Pour nettoyer les canapés, les escaliers et certains coins pas très accessibles. Ça vient aussi avec son produit liquide pour nettoyer et 2 autres vaporisateurs pour enlever les taches et l'entretien après avoir nettoyé avec la shampouineuse. Le dessus de ma commode noire. Il y a un gros morceau de verre au-dessus, ce qui me facilite l'entretien. Avant de passer la shampouineuse, je vais d'abord passer l'aspirateur avec mon Henry qui est très puissant.
N'oubliez pas de toujours aspirer vos tapis avant de les laver. Là, je passe la shampouineuse sur le tapis pour la première fois. Ce que je peux dire, c'est que c'est extrêmement puissant, donc ça fait aussi un très fort bruit. Sur la shampouineuse, il y a l'option Deep Clean Wash et l'option Quick Wash. En d'autres termes, nettoyage en profondeur et nettoyage rapide. Ensuite, je vais faire la même chose au couloir à l'étage. Je nettoie en deux étapes, je lave, ensuite j'aspire l'eau pour que le séchage ne dure pas longtemps. Et selon ce wax, une heure est suffisante pour que le tapis sèche. Dans la chambre des enfants maintenant, ce canapé est toujours là, mais elle avait grand besoin d'un nettoyage en profondeur. Je vais mettre le spray pour les taches et laisser agir 5 minutes avant de nettoyer. Ensuite, utiliser les accessoires et l'une des têtes appropriées du wax pour nettoyer le coussin. Les housses de coussin sont faciles à entretenir car elles s'enlèvent facilement. Même les housses des coussins sur lesquels on s'assoit aussi. Mais ce qui me retient de les enlever est que les remettre a plusieurs fois été très difficile. Donc faire le shampoing sur le canapé comme ça était la meilleure façon. Si j'utilisais une tête différente encore. Après avoir fini le second côté du coussin, je vais nettoyer les bords du coussin. Si vous tombez sur ma vidéo pour la toute première fois, je serais extrêmement ravie de vous compter parmi les abonnés et vous lire en commentaire. Donc n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche. Comme je l'ai dit dans mon intro, je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de deux et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos autour de l'entretien d'une maison, motivation ménage, franchement, organisation, rénovation, mais aussi de mes pas vers le minimalisme et de la vie de façon écologique. D'ailleurs, ma précédente vidéo, je vous l'invite à aller regarder mes progrès sur l'écologie.
Quand j'ai fini, je mets le spray d'entretien et laisse le coussin sécher pendant une heure ou moins avant de l'utiliser. Regardez la couleur de l'eau jusqu'à présent. Tellement sale, j'étais choquée. Maintenant, voici l'état de mon petit salon. On a tellement à faire. Laver le tapis, le pouf et tous les canapés. Dépoussiérer les objets décoratifs sur le mur. Laver le sol et les vitrines et plus encore. Avant toute chose, je vais passer l'aspirateur sur mon tapis à l'aide de mon aspirateur à main que j'aime beaucoup de la marque Tineco, tellement pratique. D'ailleurs, j'aimerais avoir un second pour l'utiliser à l'étage. Ce que je fais là, c'est quelque chose qui fait partie de mes tâches quotidiennes. Dépoussiérer le tapis du salon tous les jours. Oui, j'ai bien dit tous les jours. Si jamais j'oublie, c'est que j'ai oublié. Si vous saviez à quel point j'étais contente de laver ce tapis, à cause de mon second fils, je suis obligée de tout faire pour réduire la poussière dans la maison. Surtout au salon, vu que c'est là que lui et son grand frère passent la majorité du temps en journée, en attendant que je refasse leur chambre. Quand je finis de nettoyer le tapis, je vais le transporter et mettre dehors pour qu'il sèche encore mieux au soleil. Ce jour-là, il faisait plus de 30 degrés Celsius. Plus tard, j'ai rangé le tapis car comme il fait très chaud ces jours-ci, on n'en a pas besoin au salon. Je vais aussi garder ces deux coussins-ci car ça faisait de trop sur le canapé au salon. Je suis en train de m'éduquer de plus en plus sur la déco minimaliste et réalise ce que je vais changer dans la maison, mais surtout au salon. Vous en saurez un peu plus dans les prochaines vidéos. Comme vous verrez cette vidéo, je suis en vacances avec les enfants dans le sud de l'Angleterre, une ville qu'on appelle Portsmouth. Une très belle ville dont l'eau de la mer est bleue. Et vous, où êtes-vous en ce moment et que faites-vous?
Je transpirais tellement, j'avais chaud, je suis allée prendre une bonne douche froide et j'ai pris une pause snack avec mon mari et les enfants. Je profite donc pour vous faire découvrir certains snacks et saveurs de mon enfance. Venu du Luxembourg et fabriqué au Cameroun, 100% naturel, sans additifs. La livraison tellement rapide, en 2-3 jours maximum, autant l'Europe et le packaging très bien. Tant vegan, j'ai toujours voulu partager avec vous quelques snacks de chez moi. Mais comme la plupart de mes abonnés ne sont pas végétaliens ou végétariens, alors je vous invite à faire un tour sur le site si vous êtes en Europe ou même aux États-Unis d'Amérique. Le site livre partout. Vous découvrirez des petits déjeuners, friandises au sucré, salé ou pimenté, des épices, confiseries et bien plus. Le site peut être mis en français, en anglais ou même en allemand. J'ai apprêté ceci pour mon fils. Voici le snack de mon mari. J'ai réussi à vous obtenir un code car je souhaite beaucoup que vous découvriez ces saveurs de chez moi, de chez nous. Utilisez le code NELLYG10 pour une réduction à la fin de votre achat, minimum achat de 20€. Même par curiosité, cliquez sur le lien dans la description. Je suis sûre que vous allez aimer. Dites-moi merci après. Je continue donc le ménage. Je planifiais mes différents achats de robots d'entretien. Vu que j'ai aussi besoin d'un balai à vapeur, j'ai préféré mettre ma shampooineuse en priorité et tête de liste. Je ne peux pas acheter tout au même moment, étant donné que je suis sur budget. Attendant donc d'avoir une bonne machine pour laver le sol, je vais le faire à l'ancienne, avec une serpillière en main, alors qu'enlever la poussière n'est pas aussi facile. Thank you.
liens des produits mentionnés seront dans la description en dessous de cette vidéo. Au cas où ça vous intéresse, de jeter un coup d'œil. Voilà à quoi ressemble le salon pour le moment. Les coussins qui ont été nettoyés en profondeur étaient au soleil et les canapés avaient aussi besoin de bien sécher. Continue donc en attendant car il y avait encore beaucoup. Tu es tout autour des vitrines, le torchon vert pour les vitrines en elles-mêmes. J'ai enfin fini dehors, je veux dire derrière la maison. Je nettoie maintenant le pouf que j'avais mis au couloir. Si je vous dis que je n'avais jamais su qu'il fallait le laver, oh là là, la saleté, je vous dis même pas. Ce tapis est à l'entrée de la maison au couloir. Il fera la même chose que le tapis du salon et ensuite je vais le mettre dehors à sécher. Regardez-moi la couleur de l'eau là. J'ai changé le réservoir d'eau 3 fois. Et regardez vous-même. No comment, comme on dit chez moi au UK.
J'ai terminé par plier et organiser tous les cartons et plastiques qui allaient dans la poubelle à recycler. Si cette vidéo vous a motivé ou inspiré, alors merci d'avoir regardé. Un pouce bleu vers le haut serait très apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. D'ici à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous!